23 février 2023. Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Son of the Forest en compagnie de Kilira. Aïe! Ah oui! Ah, ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait, cette suite! Est-ce qu'on a vraiment envie de le sauver, Kalyu? Ouais, il crève dans sa bouse là. On est déjà beaucoup, on a beaucoup de bouches à nourrir. Ouais. Vous avez pas besoin de quelqu'un qui va bosser gratuitement pour nous, non? Regarde ce que j'ai trouvé! Ça peut-être te guérir. Non? Tu veux pas? Mais attends, mais il met le feu à la forêt là, attends, monsieur? Attends, il fout le feu là! Kalyu, tu prends feu! Il va crever, mais on va le perdre. Ors. Alors lui, je vais tester mon arc sur lui, ça va aller très très vite. Vas-y. Dès que je trouve mon arc dans mon inventaire. À gauche. 30 secondes plus tard. Je peux péter les bâtons. Et ça me fait du feu. Ce jeu est incroyable, ce jeu est masterclass, les amis. Après un très long moment d'attente, Sons of the Forest sort enfin. Enfin, contrairement aux attentes, le jeu sort en bêta. Par conséquent, le jeu n'a donc pas été finalisé à son lancement. Et tous les mois, on dénombre une bonne quantité de nouveautés, de mises à jour de la carte, fonctionnalités, de l'histoire. En clair, Sons of the Forest est en plein développement continu. Si Sons of the Forest est disponible uniquement sur PC à l'heure actuelle, sur Steam plus précisément, quand sera-t-il disponible sur console ? Prenons l'exemple de son prédécesseur, The Forest. Certains ont oublié que le jeu n'était pas parfait non plus à son lancement, mais bref. The Forest était en accès anticipé sur PC en 2014, la version finale est sortie en 2018, il a fallu 4 ans pour avoir le jeu complet. Jeu complet donc, sorti de The Forest sur console, en l'occurrence sur la PlayStation 4 uniquement. On peut s'imaginer que le chemin de Sons of the Forest sera similaire, voire peut-être moins long, puisque la sortie de ce jeu était prévue pour 2021, qu'il a été repoussé en 2023. Bref, on peut espérer que ce second volet soit finalisé dans 2 ans. Selon mes spéculations. Admettons donc que le développement soit finalisé à 100% en 2025. Est-ce qu'il sera jouable sur console? Parce que oui, nombreux l'espèrent. Bien sûr, les joueurs console n'attendent que ça. En attendant, le studio n'a pas confirmé qu'il existera bien une version console. Alors, en se basant sur le passé, on sait que les développeurs ont publié The Forest sur PS4. Cependant, ils ne l'ont jamais sorti sur Xbox. Voilà, donc là l'avenir nous le dira. Une seule chose à faire, prendre son mal en patience, hein, puisque tant que le jeu sera en gros développement, il y a très peu de chances qu'il voit le jour sur console. Entre nouveaux contenus et corrections, attendons que les développeurs voient le bout du tunnel. En attendant, chers amis de la manette, vous pouvez jouer à son prédécesseur The Forest sur PS4, ou bien si vous possédez la Steam Deck, donc la petite console portable de Steam, là-dessus, eh bien, vous pouvez jouer sur Sons of the Forest.